Voilà. Voilà, donc je préfère parce que je voyais que ça pixelisait beaucoup et ça me dérangeait, donc ça me sera peut-être plus agréable à regarder déjà. Ok, donc on a vu le Tartempion éviter. Voilà. Vous m'avez compris. J'ai plus à réactiver ça, c'était fait. J'ai froid. Bon, lui, on l'avait fouillé aussi. Donc on avait su la faire, on avait tout fait, il restait ça et le PC. Heureux pour la troisième fois. Mais j'ai préféré redémarrer parce que j'ai vu que ça pixelisait beaucoup. Là même encore ça pixelise. C'est pas top. Donc j'espère que ça va aller. Parce que j'avais mis en 720 et au final là j'ai mis en 540 basse. Donc mais ça pixelise encore, donc bon, j'espère que ça ira. Brouh, je viens de mettre ma robe de chambre. Brouh. Ouais, ça va là? Bon, bah tant mieux alors. Tant mieux. Ok. Ça va, t'as passé une bonne soirée? Qu'as-tu fait de beau? Là, faudrait que j'aille au PC là-bas. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors par ici, par en haut, ou est-ce que je passe par en bas? Je pense que je vais passer par en bas. D'aller safe comme ça, il y aurait toute l'ordi à faire. Comme ça, si on meurt, voilà. On va tenter d'aller safe. On va faire ça. Je sais qu'il va arriver. Il faudra aller là-bas après. Donc la porte là-bas, elle sera à ouvrir. Marc. Je me demande si je peux accéder à la porte, l'ouvrir. Genshin Impact en particulier, mais. Ouais. Apex, il y a très longtemps que j'ai pas été. Ok. J'ai joué avec Nico, tu sais, double. Darkness, là, mon Nico à moi. Je dis mon Nico à moi parce qu'en fait, j'en connais deux. Et l'autre Nico, Darkness, j'ai beaucoup plus l'habitude de jouer avec lui. Donc, c'est pour ça que quand j'en parle. Je dis c'est mon Nico à mort, on sait tout de suite de qui je parle. J'avais pas baissé le truc tout à l'heure.
Ah oui, par contre, non, c'est chiant. Par contre, c'est chiant parce que ça monte les trucs alentour aussi, donc c'est chiant. Ça monte pas que lui, en fait. Oula! Donc il est là, je pourrais en profiter pour aller dans le truc en dessous. Mais si je meurs, j'essaierai d'aller à la porte là-bas pour l'ouvrir. Comme ça, je ferai ça après. Parce qu'à la limite, si je peux l'ouvrir en premier, ça peut m'éviter de perdre du temps tout à l'heure et de me faire buter, quoi. Bon, il est où, lui? Ça va être si chiant d'aller sur l'ordi là-bas, alors qu'il traîne et tout. J'ai envie d'en profiter, mais en même temps. Aïe, là. Voilà, là il va dans le conduit, donc. Il peut potentiellement être en dessous. Ok, il est redescendu là. Quand il redescend là, j'y vais. Il va sortir de là, ce con, tout à l'heure. Numéro 60, 50. Ok, allez. Ouais, il est descendu, hein, ça me semble. J'ai du mal à juger avec le bruit d'autour, là, ça m'énerve. Non, je crois qu'il est là-haut, hein. Je tape là, là, comme ça après. Il est en haut. Je passe par là, mais.
Le risque, c'est qu'il sort de là. Bravo, Crazy, pour le level. On va y aller franchement. Il va regarder en dessous. Ouais. Allez! C'est pas grave. Comme ça, on va pouvoir aller vérifier la porte. C'est pas grave du tout. Et t'es rendu à quel niveau à Genshin? Et ça va jusqu'à combien? Ok. On va voir si on peut passer pour aller à la porte là-bas. À la limite, si on... Non. Ça se trouve, c'est après que ça l'ouvre, Marc. Une fois qu'on a fait tout ça... Bon, ben t'avances ou... Dommage que j'ai pas de quoi faire une... Tout à l'heure, il n'a pas donné de carburant, lui. Je voulais les save. Niveau d'aventure 45, et ça va jusqu'à 60. Ah, d'accord. Niveau d'aventure, ça veut dire que tu as plusieurs catégories, non? Comme ça, on aura 75 de lance-flamme. C'est pas beaucoup, mais c'est en même temps pas mal. Sauf qu'au final, on n'a rien. À la base, on n'a rien, je veux dire. J'ai le lance-flamme, mais... J'ai tellement pas envie de gaspiller mon truc, quoi. Quoique là, s'il arrive, j'aurai pas le choix, quoi. Hein, on a l'habitude, hein. On n'est pas.
il save. Si je peux. Je me laisse l'occasion. Non, faut pas que je reste en dessous. Oui, tu as deux levels différents. Tu as le niveau d'aventure et le niveau du monde. D'accord. La porte s'est ouverte. Ah mais là faut aller en haut. Ouais, mais bon, si c'est le va-et-vient là, on va pas y arriver, hein. Faut partir, monsieur. On va arriver bientôt dans la salle où il y en a deux. Oh, quel enfer ça va être. Et où, en bas ou en haut? Ah, il est là. J'avais même pas vu ce con. Et Apex, ça va? Tu es sur quel niveau? Est-ce qu'il y a un truc pour se cacher de l'autre côté? Il y a un pylône là-bas, je crois. Ah
pas, putain. Connelle. Imagine ceux qui jouent avec la détection de bruit et tout. Je peux rien faire là, c'est dommage. Il save en haut, juste derrière la porte. J'essaie d'économiser mon carburant au max. Que j'en ai très très peu. J'ai très très peu de choses. Mais si je peux arriver à conserver le très très peu que j'ai, franchement, ça va être bien. Oh merde, ma télé qui va se mettre en veille. Donc là, faut aller tout en haut pour revenir après tout en bas dans la salle où on était en fait. Oh là! Oh ouais, oh! Eh oh, oh, tu te calmes? Oh! Oula! Oula, 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 oh, calme-toi, calme-toi. Oula! Hey! Va nous donner le mal de mer, là, le vaisseau. Coucou Elancia! Ça va ma belle, on est sur la fin. C'est le dernier gros truc qui me semble, je me rappelle bien. Bon, j'ai le lance-flamme, je peux y aller, mais je sais pas. Parce que suffit que je faut les brûler 3-4 fois. J'en ai que 75 quoi. Mais c'est gentil, mais on n'y est pas encore, hein. Mais c'est presque. On n'est pas loin du grand final, je pense. Mais bon, il y a encore pas mal de temps. Bon, je vais y aller. 30. Le truc c'est qu'il y a une save juste derrière la porte en haut. Et si je meurs en fait faut tout recommencer quoi. Et j'ai pas envie. Pour ça que je suis prudente.
Ouais, ça va. Coucou Ethan. Ça va? Comment vas-tu? Heureux Sabre. Ça va tout le monde? Oh putain, mais. On va attendre qu'elle ait fini de. Tremblay. Vous avez passé une bonne soirée, tout le monde? Ok. Le chiffre, il bouge. Il devrait arriver. Ouais, ça fait plaisir de voir Ethan. Il est très rare. Il se fait très rare, monsieur Ethan. Et ça va très très bien, merci beaucoup. Là, comme tu vois, Ethan, on est en cauchemar, hein, toujours. J'ai toujours pas de carte. J'ai toujours un détecteur qui déconne. Et j'ai toujours un inventaire très très rempli, quoi. Tout plein de Zera. Zera, Zera, Zera. Bon, j'en ai marre. Je peux paraître longue à me décider à y aller, mais j'ai pas envie de mourir et de tout recommencer alors que la save est là-bas, quoi. Ça me ferait chier. Ouais, de toute façon, le lance-flamme, c'est fait pour être utilisé, vous me direz. Hein. Oui. Ok, le voyant est rouge, c'est parfait. Donne-moi du combustible, nom de Dieu. Pardon, excusez-moi. C'est bien probable. Déjà, si on arrive à passer la salle du bas, on a fait le gros qui reste, il me semble. Parce qu'après, il y a les petites bestioles là, il y a le wagon. Je sais plus, mais je crois que c'est bon. Ça arrive, mais ça vient des dents. Ah! Bah ouais, ça va mieux, ma belle. Je sais pas si t'as entendu Elancia tout à l'heure. Est-ce que tu as une soirée ou une après-midi de disponible la semaine prochaine? Je pense plus en journée. Comme ça, je pourrais mettre le son de Discord à courir dans la maison. Si t'as un après-midi pour jouer à DBD ou Fortnite.
qu'on se fasse une team de nana avec avec Crazy aussi. Pour de vrai ce coup-ci. J'annule pas. Quoi qu'il arrive, j'annule pas. J'en ai marre d'annuler. J'en ai marre qu'on n'a jamais. On puisse jamais, ma belle. Hein. Ça gonfle. Coucou Jenny. Oh, attendez, j'écris à Jenny. Ah, parce que tu vois, comme moi, c'est pour éviter qu'en fait le son de Discord il s'éparpille dans le salon, et mercredi soir, Rebecca est à l'école le jeudi matin. Peu de chiant. Mais je te redirai ça. Ça va toujours, mon petit Sam? Ouais, t'inquiète. Bon, j'ai le lance-flamme, mais... Ça me ferait chier de le dépenser, quoi. Après, si j'ai pas le choix, je vais l'utiliser. Voilà. Vous avez vu, il y a un petit bug de d'image là. Voilà, il va revenir donc. Si je pouvais faire un émetteur de son, comme ça, quand je repasse à la porte là-bas. Sachant qu'ils seront deux, j'envoie un émetteur de son dans le couloir et comme ça, les deux arrivent là et je peux descendre. Bon, reviens que je continue, moi. J'ai froid. J'arrive pas à me réchauffer. T'inquiète, ma belle, on verra ça. Le week-end, tu peux pas? Parce que comme moi je stream sur la Play, je peux pas leur mettre le son de Discord, sauf si le truc il sort quoi. Après il y a la solution que je live pas mais on verra. Et l'ancien, c'est celle avec qui je veux jouer. Obligatoirement. Parce qu'il y a combien de fois on se dit oui, et au final, à cause de la petite ou que j'ai du monde et tout, j'annule. Bon, et il revient pas là. Il sort que quand on est dans l'autre placard ou quoi? Oh, t'es raciste ou c'est comment? Qu'est-ce que tu fous? Mais il revient pas là, hein.
Et il était tout le temps là quand on était dans l'autre en face. Et ça, c'est pas la salle où on a tué l'androïde et l'autre là? Le mec et l'androïde? Je sais plus. Non, je crois pas. Non. Bon, mais s'il vient pas, moi je vais y aller, hein. Et là, il va se poner juste devant mon nez là. Ça a intérêt à marcher. Et là, on va se faire goumer, je vous le dis. Il va arriver par derrière. L'air de rien. Donc là, faut que j'aille sauvegarder là-bas. Oh, le bruit est... Ok, bon, ça l'attire pas. Ah, oh, mais ça me va, moi. S'il y a que le côté droit qui t'attire, hein. Moi, grave. Hein. On a tous nos trucs bizarres. Hein. Putain, je peux rien faire, ça m'énerve. Vraiment la loose, hein. Ok, y a rien là, je vais fouiller la pièce en même temps. De l'autre côté, il y a peut-être des choses. Et c'est là qu'il va se pointer ce con. Pas du carburant par hasard, toi. Très bien, on va finir ce soir ou pas? Ou on va refaire cette partie 10 fois comme toutes les parties? Merci Lucas. On va essayer d'y faire honneur. Hein.
Par contre, je suis désolée pour le son, je peux pas baisser le son du truc, c'est chiant. Merci, Ethan. Ça fait plaisir de te voir, Ethan. Lucas aussi, Sabre aussi, tout le monde. Mais surtout Ethan et Lucas qui sont mes plus vieux vieux verts si je puis dire sans vous vexer. Ouh là là là. Là-bas. Là maintenant, on va pouvoir prendre ce foutu scaphandre. Ouais, ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Vraiment. Lucas, il revient tous les jours, donc ça fait plaisir. Mais toi, Ethan, tu te fais très rare et c'est toujours un plaisir quand tu repasses. Et j'espère que ce que tu sais, ça s'est arrangé également. Enfin, ce que je sais, tu m'as dit. Ah non, casse-toi, toi. Ça aurait pas été grave, on aurait repris en haut. Attendez, j'arrive. Je me demande si Rebecca elle a pas baissé le chauffage encore. Shit, je le garde mon style. J'arrive. Ouais, elle l'avait mis en dessous de 19. Et si on le met en dessous de 19, ça s'arrête. Forcément. Le chauffage était éteint. Pas étonnant que je me les gèle. Ok, donc il y a un pylône là-bas. Et je suis contente aussi de voir toutes les nouvelles personnes, bien sûr, qui font partie maintenant de ma petite famille. Et de fidèles qui sont là chaque jour, comme Sabre et Lancia, Crazy, tout le monde. Je vous aime. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, 95. Je pourrais tenter d'aller jusqu'au pylône là-bas. Coucou Crazy, comment tu vas?
Ok, donc là on retourne dans la salle où on était avant, où on a activé les bordels là. Et là il faut aller au scaphandre. Coucou mon petit Malo, ça va? Toujours sur Alien en mode... Oui, mais là on est sur la fin. On est sur la fin là, je pense. Si je me souviens bien. Il y a ce gros truc en feu là où il y a deux aliens qui vont rôder. Et après il y a le wagon là. Mais je pense que ça, c'est la plus grosse qui reste, il me semble. Ça va, Malo, et toi, Crazy? De voir la solution qu'on est par rapport à... Voilà, donc là on prend le scaphandre. Maintenant vous attaque, oui, ok. Ouais, c'est la fin là. Ouais. Une fois qu'on a passé cette salle et qu'on a fait le scaphandre, ça devrait être très très rapide. C'est juste ce passage qui est chiant. J'ai hyper mal au cou. Il me faudrait un masseur. Ça va nickel. Hé, t'as vu? On a le petit Ethan avec nous, ça fait plaisir. Il se fait rare, hein? Bon, trou de balos là. T'es où? Et c'est là qu'on va l'avoir dans le conduit, mais ça va. On a récupéré du lance-flammes, donc. Ça, mais bon, je veux pas. Je veux pas le gaspiller. Mais on peut rien faire d'autre, putain, comme d'habitude. Putain, je vais être tellement heureuse d'avoir fini cette merde en cauchemar. Je sais pas si ça vaut quelque chose, mais je préfère le faire quand même et... Lance-flamme, ok. Alors, et le râleuse, ça va bien ensemble. J'ai trop hâte d'être lundi. Ah, tu as quoi lundi, ma belle? Quoi lundi? Ah bah oui, j'ai oublié. Ah oui, c'est vrai. Oh, je suis désolée, j'ai complètement zappé. Elle me l'a dit en plus. Il est où lui? En haut, en bas? En haut. En haut, il descend. Ok.
Ah, je croyais qu'il remontait ce con. Ok, il est en bas. J'aurais eu un truc pour le son là, un fumigène par exemple, je l'aurais envoyé là-haut. Bon, allez, on y va. On a le fum, on a le truc. J'arrive à aller dans le casier qui est là-bas, putain. On y croit. J'ai la même date que celle de mon ancienne pote de collège. Ah, c'est cool. Que je me dis, à partir du moment où on est... où on est là-bas, je me dis, ça va, c'est bon. Que l'autre partie, elle est facile, en fait. Elle est assez... Elle est pas très compliquée. On n'a pas d'aliens, je pense, si mes souvenirs sont bons, hormis à la fin. Il faudrait que je tape ici là. Ça, après, je vais dans le conduit. Là, il y en a deux. Pas de soucis. T'inquiète, mon petit Malo. Profite bien. Alors, je vais là, je tire un coup de revolver, pardon, et je vais dans le conduit. Il est trop près de moi, par contre. Il faut que je fasse ça. Je sortirai là, je tire un coup de revolver et je vais dans le conduit. Vous pensez que ça peut le faire? Mais j'ai froid, c'est dingue. J'arrive pas à me réchauffer. Attendez, je me mets une couverture en plus sur les épaules. J'ai déjà un t-shirt à manches longues, ma robe de chambre. Et là, une couverture. Allez, dernière ligne droite. On va y arriver. On croit en nous. Moi, j'y crois. Et toi, jolie gambette, tu y crois? Merci pour moi, merci beaucoup. C'est adorable pour lui.
Par contre, il est là, donc je peux pas. Je peux pas sortir. Ouais, mais du coup, remarque. Non, je me dis si je tire. J'ai l'impression qu'elle rigolait quand elle se faisait tuer. L'impression d'en. Allez, mais ouvre-toi là. Merci encore mon petit Malo pour lui. Merci beaucoup, beaucoup. C'est adorable. Oh, il est là-haut. Ah, il a la grenouille avec une feuille au-dessus de la tête. Retourner. Il revient, je pense. Hey, mais tu dis tout est en train de cramer. Les surfaces métalliques, normalement, ça doit être hyper brûlant. Ça te brûle même pas, quoi. Non, calme, c'est normal. Ok, donc il y a juste. L'autre d'avant a juste duré 8 minutes, ok. Ça va, ça pixelise pas trop là? Ok, il vient d'en haut. D'en haut, je crois. Non, il est en bas, ok. Ok, merci les gars.
Bon, ben merci, Ethan. Tant mieux alors. Donc la semaine prochaine, nous partirons sur Visage. On va se marrer. Enfin, peut-être pas, mais... mais sûr que non, mais... Mais voilà. J'en ai marre de ces cheveux. J'ai toujours enlevé mon casque et remettre bien mes cheveux. Il me dérange. Il se met toujours dans des plis du casque qui me dérange. Visage, ouais. J'ai déjà fait Dolores. Donc on fera le visage, le visage, le chapitre de Lucie qui m'effraie beaucoup. Tu l'as fait toi, Elancia? Le visage? La commu avait voté pour visage sur le chat, donc. Voilà. Voilà. J'en ai déjà des frissons, putain. Ok. Concentrons-nous. Ce passage, il est compliqué. Il rôde toujours dans l'escalier. Je fais attention, je guette bien les bips et tout. Alors, je sais pas si l'autre serait venu directement sur moi si j'avais pas fait un coup. Que je pense qu'ils ont vu le truc sur. Bon, tu viens pas? Un bon gros temps où il n'y a personne. Que je refasse aussi en privé, enfin en off, Resident Evil Village, parce que j'ai tout perdu. Même en cherchant la save dans la save en ligne, je ne la retrouve pas. Allez, tu le... Coucou, Coaster! On est sur la fin, hein? Elle est chiante. Après, le reste, c'est à peu près facile, quoi. Comment tu vas? Tu fais le début de visage, mais j'ai pas aimé la façon de jouer. Ouais. Je fais le chapitre de Dolores. En haut, hein, je crois.
Genre le feu te gêne alors que là tu es entouré de feu bouillant. Oh non. Mais ouais. Ah les bâtards. Allez au sas, oui, j'attends que ça, moi. Allez au sas. Mais moi non plus, le deuxième, je m'y attendais pas. Généralement, il y en a un. Et le deuxième, il est un peu plus loin, mais là, les deux étaient côte à côte. Mais cette partie, elle est horrible. Hein. Elle est horrible, cette partie. C'est l'une des pires. Hein. Mais tu l'as fait en entier, le jeu Coaster, ou... Parce que quand tu l'avais fait en live, tu passais des endroits. Tu sautais des missions et tu... Du début du jeu, t'es passé à la fin du jeu, donc... Donc au final, je sais pas si t'as fait du jeu en entier ou si t'as fait juste des petits morceaux, quoi. Ouais? Ok, c'est bien alors. On croise les doigts, les orteils et les fesses. Hein. On croise tout. Hein. Croise tout. Allez, Milady, serre les fesses. Toi aussi, le lapin, serre les fesses. Allez. Tiens-moi ton petit cul, là. Ok, il est où? Oh, mais pourquoi pas, hein? On serre les fesses alors. C'est sûr que les croiser, c'est compliqué. Voilà, croise les doigts de pied. J'osais même pas tousser. Et bienvenue aux 11 personnes, j'espère que tout le monde va bien. Attendez, faut que je boive un coup. Aïe aïe aïe.
Je rappelle, on est en cauchemar pour ceux qui prennent en cours de route. Il n'y a pas de carte. Il y a un détecteur qui déconne et on a très très peu de ressources. C'est assez compliqué. En tout cas, bienvenue à tous. Je vais vous passer un bon moment. Sachez que je suis pas du ceux qui me connaissent pas, je suis pas du genre à tra on trace et on verra. Si, tous comme ça me fera fuir. Ouais, ça me fera bouger le joystick, ouais. Moi, je suis une joueuse prudente. Je passe 15 ans planquée, mais j'avance à mon rythme et parfois ça passe. Bon, parfois ça passe pas, mais... nul n'est parfait. Mais j'aime prendre mon temps. Je cherche pas le comment ça s'appelle? L'excellence, le, ou la rapidité ou autre. Moi, c'est d'arriver au bout, donc le reste, je m'en fous. J'ai tellement peur de voir l'alien s'approcher de là où t'es caché. Je me suis éloignée de l'écran, j'ai retenu ma respiration. Ouais, je peux comprendre. J'ai compris. Ils me font chier ces cheveux. Je vais prendre un cisaille et je vais les couper moi-même. 48. Ok, il y a le bip, ils arrivent. Ta tête, Milady. Il n'y a que ce passage hein, qui reste. Pardon. De vraiment chaud, il n'y a que celui-là qui reste. Après, on passe en bas. À part des petites bêtes, il n'y a rien. À part des petites bestioles, il n'y a rien du tout en fait. Passage là, aïe aïe aïe, c'est compliqué. Allez par là, Crazy. Tu cries, Crazy. Je crois que j'ai peut-être fait l'erreur d'aller vite. Je crois oui. C'est tellement chiant le fait qu'ils en sont deux en fait. Qu'ils sont deux, pardon. Qu'il y en a un qui peut être monté en haut, donc on peut se dire on passe. Et le deuxième, il passe par la porte en bas, quoi. Je crois en général le deuxième, non, il reste assez à sa place. Ok, donc lui il va tout en haut. Oh, j'ai l'impression qu'il était en feu. Je suis en feu. Ah, il y a les poils du lapin dans la bouche, je suis chier.
dernière fois, mais non, je peux rien faire. Ça sert à rien. Non plus. Que tout est chargé quand même au cas où. On sait jamais, hein. Ça sert tellement à rien, mais. Ok. Je vais me mettre au chaud dans le lit et je me les caille. Ah bah oui, il fait froid. Hein. Si continue de monter, j'y vais. L'autre va être là. Donc du coup, ça a appris quelque chose. Ça a appris que quand il va tout en haut, il respawn. Dès que tu passes la porte, il spawn en face, directement. Je sais pas s'il y a un endroit où on peut se cacher tout de suite dès qu'on passe la porte. Bon, ça saoule, hein. Ce passage est horrible. Vraiment infernal. Merde, c'est pas l'eau. Repose-toi bien, Ethan. Merci d'être passé. Bisous. Ça fait plaisir de t'avoir vu. Dors bien. Et merci encore à mon petit Malo pour ton sub offert à Ethan. T'es très gentil. Merci beaucoup. Allez. Oui, voilà, c'est lui. Ethan, c'est notre perso en kit. Bonne nuit, Ethan, bisous. Ok. Mais je me fais toujours avoir là-bas, en fait. C'est dommage. Faut pas que je calcule en fait. Dès que j'arrive là-bas, faut que j'aille dans le tuyau. Dans le conduit, pardon. Et
Pardon. Et après, mais au pire, y en... enfin, au mieux, il y en a qu'un qui me poursuit dedans. J'ai mal aux mains à force. À force de faire ça, là. Pas plus tard. Voilà. Qu'est-ce que je t'ai dit? Oh putain, mais il connaît. Et c'est toujours à ce passage qu'elle se met à courir, hein. Vous avez remarqué? C'est toujours là qu'elle court. Tu sais qu'elle veut en finir, mais moi aussi, mais oh. Calme-toi, malgré ça. Détends-toi le string, hein? Ok. Non, c'est pas là. Je vois s'il y a un truc où se cacher en bas en fait, mais je... non, il n'y en a pas. Hein. Il me semble pas. Hein. Il arrive d'en haut, je crois. Et toi, Coaster, c'est quand ton prochain jeu d'horreur que tu nous fais? Y a rien qui t'attire? Ah bah ok. Et quand il monte l'escalier, là, il paraît tout rikiki. Village? Si on mal ma poignée, ça va pas passer. J'ai la main qui tremble. Ah ben cool, si tu veux faire village, vas-y. Si tu joues à Fortnite, profite de faire tes défis car il y a de l'XP super chargé jusqu'au 20. Ouais. Merci Lucas. Ouais, je vais taurine violette moi. Pas morue. Permettra de passer un niveau plus rapide. Ouais. Quand j'aurai des étoiles plus facilement aussi. Mais tu vois, il me faut que ce qui est chiant, c'est qu'il me manque 15, non, 14 niveaux, 14 récompenses à avoir avant d'avoir Taurine Violette. Mais c'est pas les récompenses à 3-4 étoiles. C'est la 20-30, c'est chiant.
Ça va être hyper long. Ça va être super long. À moins qu'il l'offre en début de saison prochaine. Ce serait sympa. Ouh là là. Ouais, mais toi t'es fort. Toi, moi, t'es différent. Ce n'est pas comparable. Moi, je suis nul. Tu sais bien, rappelle-toi. Je suis doué que pour me faire réanimer. Juste village que je recommence en mode difficile. Ah, tu l'as fait en mode normal? Ok, donc lui il monte. J'ai peur, hein. Derrière moi, je ne me retourne même pas. Même pas, je me retourne. Donc là, faut que j'aille dans le truc, faut que j'arrive à aller là-bas. Je l'ai fait en mode facile, normal et maintenant tout de suite. Ah mais cool. Moi faut que je refasse Village des Ombres. Parce que j'avais arrêté de le mettre sur YouTube, de le live. J'arrivais pas à passer le Heisenberg. Et en fait j'ai perdu ma save. Donc du coup faut que je recommence tout. Donc ça me fait chier mais bon. Il va arriver derrière. Ah, il est au-dessus. J'ai là-bas dans le casier. Je prends le risque. Oh merde. Oh putain, j'étais contente et tout. Ce qu'il faut que je fasse, je crois savoir, c'est
C'est qu'en fait, quand je suis dans le conduit, là, vous voyez, j'attendais là qu'il arrive. Et il y avait, en fait, je suis allée par là. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je sorte de ce côté, je tape pour les attirer de l'autre côté et je revais de l'autre bord. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais on va essayer de faire ça. Les attirer à droite pour sortir à gauche. Je sais pas si c'est clair ce que je vous ai dit. J'en ai marre, hein, je vous le dis. Je te dirai ça. Je te dirai ça, mais c'est gentil, t'inquiète pas. Je te dirai ça, Lucas. Mais je garde ta proposition en tête. Ah, j'ai mal au... J'ai mal au bras. Pour maintenir le truc fermé. L'erreur, j'ai été sans réfléchir en fait. J'ai pas. Je me suis dit j'y vais. Quand je me suis vue dans le casier, j'ai dit c'est bon, c'est passé. Mais au final. Faut que je fasse pareil, mais faut que je les attire. Je les attire à droite. Comme ça, je peux passer à gauche tranquillement. Théoriquement. Mais là, je sais que il reste pas longtemps, peut-être. Une demi-heure, quoi. Je crois que si on meurt, on laissera ça pour demain. J'ai mal aux doigts. Comme je vous ai expliqué, pour le faire, en fait, faut maintenir le... Quand on est dans les casiers et tout, faut maintenir le joystick vers le bas, à fond, et appuyer sur L2 en même temps. Donc ça fait mal au dos à force. Parce qu'il faut vraiment... Le tenir vraiment fort, quoi, vers le bas. Pas juste pencher. Tu reviens, toi? Ouais. Si jamais tu en veux moi qui ferai tes défis, toi tu auras juste à profiter des câbles. Je t'ai redit ça, Lucas, t'inquiète pas. Mais t'inquiète pas, on rejouera ensemble avec plaisir. Hein. Sois-en certain. Lolo. Tu veux pas monter là-bas, toi? Nous faire chier là? Ouais, t'inquiète. Aucun problème, t'inquiète pas. Et Nathan, ça va?
Il est en quelle classe, Nathan? Ok, il remonte. CE2? Bah, c'est cool. Tu lui diras bonjour de ma part demain parce que là, il doit dormir, je pense. Oula! Oui! Mais il saoule lui, hein. Pourquoi il va pas dans le conduit là-bas? Qui était en bas. Oh, tant pis, hein, je vais y aller. Hein. Tant pis, hein. Je vais. Hein. On va y aller. On va le laisser descendre. Limite, je suis plus en sécurité derrière les pylônes parce que comme il y va pas, j'ai pas. Enfin, c'est même sûr, c'est pas ma limite. Comme il y va pas, j'ai pas machiné le. Y a pas de risque que je fasse le truc, quoi. C'est mieux. Là, si on meurt, c'est pas grave, on laissera pour demain. Ok, elle est là. Pendant ces phases-là, je ne parle même plus, je ne respire même plus. Hé, hey, coucou Roder, comment tu vas? Tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Ouais, ça va. Ça va, ça va, je te remercie. Je suis chez mes tontons. Ah, cool. Mais profites-en bien. Il peut pas aller chez ses tontons, l'autre, là, qui se promène. Il me saoule.
fait plaisir de te voir, Roder. Ah, ben cool, c'est le meilleur endroit, Coaster. Oh, pardon. Je suis désolée. J'ai soif. Ah ben tant mieux alors si les cours sont simples. Tu es en quelle classe déjà? Je me rappelle plus. T'avais dû me le dire mais... Yenès est pu. Ok, 96. On était bien tout à l'heure. À l'endroit de là-bas, je sors à droite, je tape sur un truc pour les attirer, je re-rentre tout de suite dans le conduit, je vais en face. Ça peut le faire. En seconde pro. Ah! Ça peut le faire. Faut qu'on tente. Et là, si on meurt, on fera demain, quoi. Et je m'en irai sur Animal Crossing. Ils sont... Les scorpions, ils sont peut-être méchants, mais au moins, ils sont plus gérables. Ok. Hey, je sais pas si tu t'es déjà fait la réflexion, Lucas, mais... T'as pas remarqué que sur Animal Crossing... T'as plus fréquemment des scorpions que des tarentules. Quand c'est la période des tarentules, t'en vois rarement. Hein. Les scorpions, t'en vois tout le temps. Je sais pas si tu as déjà remarqué. Ok, donc on va attendre que... Bravo à tous pour les levels à Lucas, Roder et Coaster. Bravo! Et bienvenue aux 10 personnes. J'espère que tout le monde va bien. Fait plaisir d'avoir du monde. De rien, avec plaisir, Roder. Putain, c'est un enfer ce passage. Alors, Roder, je t'explique, là, ils sont deux aliens. Et il y en a un qui fait le va-et-vient dans l'escalier. C'est chiant. Et le deuxième, il est derrière la porte, là-bas. Dans la salle, là-bas, ils sont deux. Et regarde, je te montre un truc. Regarde l'inventaire que j'ai. J'ai rien du tout. Si j'ai du lance-flamme, c'est efficace. J'ai 3 balles de revolver qui n'ont aucun effet sur eux. Le fusil à pompe n'a aucun effet sur eux. Ça non plus. Et sinon, bah, tout le reste, tu vois, c'est zéro. Il n'y a que le lance-flamme que je peux me servir. Donc, je marre, donc t'as aucune carte. J'ai fait tout le jeu sans carte. Et j'ai un détecteur qui déconne, en fait. Là, il est par là, donc je vais pas te montrer. Mais en fait, le détecteur, t'as plein d'écrans verts, des lignes et tout, quand ça déconne. Tiens, regarde, tu vois? C'est très chaud. Hein. J'ai fait quasi tout le jeu avec l'inventaire vide. Hein. Pour te dire.
Oups. Mais là, on est sur la fin du jeu. Mais pas top top le tri. Tu te chauffes un vin qu'après. Non, je sais pas. Non, ça me. Pas ce soir, Lucas, mais on. Mais faudra qu'on reprenne des vox sur Discord. Il y a tellement longtemps. Tellement, tellement. Tellement longtemps qu'on n'a pas fait des vox sur Discord. Je pense qu'avant, on faisait tous les jours des vox sur Discord. On allait sur Mario Kart, moi. Ça date, hein? Faut qu'on reprenne ça, hein? Y'a pas chier, hein? Oui, je vous annonce un truc. Bon, il y a le time, mais hein, pour les 500 follow, j'offrirai deux cartes d'une valeur de 50 euros chacun. Que ce soit PSN, Xbox ou Steam, pardon. Mais bon, hein, les 500 follow, on n'est pas rendu, hein. Il y a le temps. Vous avez le temps de tous avoir foutu le camp et moi d'être entre quatre planches. On n'espère pas quand même, mais. Ok, la porte est ouverte là-bas. Ok, il vient de passer. Putain, mais monte! Oui, mais il y a le temps, hein. C'est pour les 500 follow, hein. On est qu'à 400. Enfin, j'étais à 400, j'ai perdu un follow. Donc on est à 399. Après, je m'en fous, hein. Je peux, comme je dis, perdre un follow, ça arrive, hein, donc c'est pas grave. Vas-y, dis-moi. Dis-moi tout. D'ailleurs, en parlant des follow, est-ce que c'est affiché ou pas encore? Non, pas encore. J'ai pas le nom encore de la personne qui m'a quitté. Je vais avoir. Ah, c'est cool ça, Rodeur. T'avais pas une vraie manette? Tu joues avec quoi? J'ai peur, hein. Tu vas spawn devant là-bas. Oh mais le salaud. Il était plus vite que moi. Bon, c'est pas grave. On va s'arrêter là puis on finira ça demain. Je me disais, il se retourne pas, j'ai le temps. Mais en fait, il s'est à peine arrêté. Petit enculé, va. Excusez-moi. Bon, moi, je vais m'arrêter là, du coup. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été présents. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et me laisser un petit follow pour ceux... merde. Si vous le souhaitez, bien évidemment. Ça ferait plaisir. Merci à ceux qui prendront le temps de regarder les rediffusions, que ce soit ici ou sur YouTube. Je la mets sur YouTube tout de suite, évidemment, mais si on n'a pas avancé des masses. Voilà, c'est pas grave. Il y a la bonne ambiance quand même. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Demain, on est... Oh, demain matin, je serai couchée, je vais dormir, moi. Donc, demain après-midi. Ouais, ça y est, c'est Rodeur. Et je te remercie encore pour toutes les pubs que tu fais pour moi de temps en temps. Ça fait très très plaisir. Merci beaucoup.
C'est vraiment adorable de ta part. Bonne nuit à tout le monde. Je vous dis à demain. Reposez-vous bien. Ça sera sûrement demain après-midi. Parce que demain matin, je dors. Je pense que demain matin, je serai... Voilà. Portez-vous bien. Pardon, j'ai arraché le micro. Donc portez-vous bien, à demain, puis on va finir en se faisant bouffer. À demain! Merde, c'est par ici! Hé! Hey, on se voit demain! À demain! Ouais, à demain! Salut! Voilà, il vous a fait un bisou. Il vous a souhaité bonne nuit aussi. Bisous! À demain tout le monde. Reposez-vous bien.